Togo Info, le Togo à votre portée. Ma présence ici ce jour 18 décembre, n'est-ce pas, 2019, c'est de venir à la rencontre de nos frères et sœurs qui ont un pan de l'économie, un pan de notre économie très important. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous mangeons, la viande, les volailles, les légumes que nous consommons à Lomé et dans tout le pays, une bonne quantité vient ici. Et je voudrais venir voir les conditions de travail de nos frères et sœurs qui sont là, pour que demain, si nous devons apporter une certaine amélioration, qu'on puisse savoir par où commencer. Donc il est de bon ton que de mes propres yeux, je viens voir ce qui se passe dans le marché de Bossimé, qui est notre marché. Après les quelques conversations fraternelles que j'ai eues avec les commerçantes et les commerçants, c'est qu'on peut mieux vendre. Le chiffre d'affaires n'augmente pas. Et on est pendant la période des fêtes et je crois que tout le monde s'attendait à ce que le chiffre d'affaires puisse augmenter plus que ce n'est aujourd'hui. J'ai l'impression que l'argent ne circule pas comme ça devait circuler. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti également que les conditions de travail sont très difficiles. Les viandes sont exposées et il y a, vous savez, les insectes, les mouches, la poussière. Mais la sanitation, la santé à Lomé, puisqu'on est à Lomé, dépend de ce que nous achetons dans ces marchés. Donc nous devons améliorer les conditions de froid, améliorer les étals sur lesquels les viandes sont exposées, parce que ce qui rentre dans nos assiettes, une bonne quantité part de ce marché de Bossimé.